fait un petit cadeau, promis. Et mamie va bien s'occuper de toi, d'accord? On va s'amuser toutes les deux. Mais tu dois t'en aller pour combien de jours? Je pars juste pour les week-ends. T'auras même pas le temps de t'en apercevoir. Tiens, prends ça. Tu pourras m'envoyer des messages quand tu voudras. Et je pourrai t'en envoyer moi aussi, c'est cool, non? Bon, je dois y aller, sois sage. Je t'aime, maman. Moi aussi. Je t'adore, tu vas beaucoup me manquer. À bientôt. Allez, viens, maman. Au revoir, maman. Je vous aime. Bon, alors, mademoiselle, j'ai une idée. Et si on faisait un peu de pâtisserie? Des petits sablés? Tout ce que tu voudras, mon lapin. Va te laver les mains d'abord. Oui. Ah! C'est bien ça? Oui. Max, un autre gagnant. Oh, enchanté. Salut. T'as vu les organisateurs? Non, il n'y a personne. Par contre, les autres sont arrivés. Ah, ils sont arrivés? Ouais. C'est cool. Tu veux que je t'aide? Oui, merci. Et voilà, l'équipe est au complet. Je vous présente Joe. Salut. Bonjour. Dave, bonjour. Enchanté. Et moi, c'est Gwen. Ah, on se tutoie? Gwen, oui. Enchanté. Oui, moi aussi. Commençons par les choses sérieuses. À déguster pour mieux décoller. Ce qui nous arrive est absolument incroyable, une bonne surprise. Ouais, j'ai du mal à le croire, moi aussi, c'est tout. Tu m'as fait peur. Je crois que c'est le moment de profiter un peu de nos privilèges. Oui, volontiers. Gwen. Merci beaucoup. Jo. Oh, non, merci, ça va aller. Lâche-toi. La vie est courte. Tiens. Ok. Tu ne dois pas sortir des masses, hein? Mm. Ben oui, avec ta gamine, quoi. C'est sur ton profil. Ah. Oh. On a tous regardé le profil des autres, non? Sur alltogether.com. Mais quand même, te laisse pas trop aller. J'ai vu les photos du mariage de ta copine. Quel spectacle! C'est pas vraiment récent, ça date d'il y a 3 ans. Oh, la vilaine. T'es une coquine. Du calme, mon vieux. Oh, arrête, on peut pas plaisanter un peu. Je sens que tu vas me donner du fil à retordre. T'inquiète pas pour lui. Dave, tu te maries le mois prochain, pas vrai? Ah oui? Elle a de la chance. Bon, et toi? Monsieur Mystère, qu'est-ce que t'as à nous dire? Moi? Ouais.
Pourquoi tu n'as rien mis sur ton profil? Y a même pas une photo. J'en sais rien. C'est juste que j'aime pas étaler ma vie. Je m'attendais plutôt à voir arriver un pervers. Peut-être, en tout cas, moi je la trouve sympa. Oh, c'est pas vrai. Les plus chaudes sont toujours les plus discrètes. Ouais. Hé, hey, attends, ton verre est vide, viens là. Oh, je t'en fais un peu. Mmh. T'en fais pas, c'est promis, je dirai rien à ton père. Et c'est la maison qui offre. Ça commence. Ouais. Bienvenue et félicitations. Vous avez donc gagné tous les quatre un voyage à New York tout frais payé offert par alltogether.com, le réseau social préféré des internautes du monde entier. Afin que ce vol soit exceptionnel, nous vous avons concocté un jeu interactif spécial qui se déroulera à bord. Mais avant l'embarquement, nous vous demanderons de vous séparer de vos téléphones mobiles pour toute la durée de notre voyage. Cette consigne est obligatoire car tout appareil électronique pourrait interférer avec nos appareils et influencer l'issue du jeu. À cet égard, votre coopération sera grandement appréciée. À présent, vous pouvez vous rendre à la porte d'embarquement. Une limousine vous y attend et vous conduira jusqu'à votre propre jet privé. C'est parti. Après toi, après. Merci. Regardez-moi cette voiture. Bonjour. Oh, merci beaucoup. Merci. Votre téléphone, s'il vous plaît. Désolée, j'ai promis à ma fille de garder mon téléphone avec moi pour qu'on puisse s'envoyer des messages. Désolée, mademoiselle. Cela risque de perturber le jeu. Cette consigne est obligatoire. Allez, fais un effort. Mais si je l'éteins, c'est pareil. Non, le règlement stipule que tous les téléphones doivent être mis de côté durant le vol. Sinon, le jeu est nul et non avenu. Mais de toute façon, là-haut, il n'y aura pas de signal. Ce n'est que pour quelques heures et je ne peux pas changer les règles pour vous. D'accord, laissez-moi seulement lui envoyer un petit message avant. J'ai presque fini. On dirait que je vous arrache le cœur. Voilà. Ça y est? Oui, cool. Après. Ouh, merci, merci. Après toi. Merci, Mda. Et bon vent. Il y a des tas de boutons, regarde. Toi, ouvre la fenêtre, et là, ça doit être les lumières néons, et on a un mini-bar. C'est dingue. Il y a même la télé. Et... Oh, ça y est, on arrive. Oh, bon sang. Oh, il est là, oh, oh, il est là. Oh, je suis trop contente. Oh, oh, c'est génial. Je crois que je vais y prendre goût. Wow, il y a même un bar, un vrai paradis. Ding dong. En tant qu'invité de alltogether.com, vraiment pas vous aurez la chance de devenir des pionniers et de participer en exclusivité à un tout nouveau jeu interactif sur notre réseau social. Il y a de merveilleux cadeaux à gagner, parmi lesquels des diamants de chez Tiffany, des entrées viagiques pour un spectacle à Broadway, et le premier prix, un magnifique véhicule tout-terrain flambant neuf. Les mains douces. Tu trouves? Est-ce que tu mets une crème spéciale? Oui, ça m'arrive parfois. En attendant les instructions pour le jeu, nous vous invitons à faire comme chez vous et à vous mettre à l'aise. Je vais jeter un coup d'œil.
Ne t'éloigne pas trop. En guise d'hôtesse de l'air, on a un crocodile qui cause. Cool. Non, mais vous allez pas me croire. Nous avons la télé au petit coin. Veuillez tourner vos sièges dans le sens de la marche, s'il vous plaît. Attachez vos ceintures et préparez-vous à faire le voyage de votre vie. Ouais, je suis prêt. C'est la toute première fois que je monte à bord d'un avion. Non, c'est vrai. Mm-hmm. Pourtant, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Mais pourquoi tu te lèves? Tu croyais que nous devions rester tous à nos places. Si vous voyez la tête que vous faites. Une goutte de champagne. 1985. Pour la demoiselle. Peut-être qu'il y en aura pour monsieur également. Oh, c'est bon, je rigole. Vous en voulez? Ouais, ouais, soyons fous. C'est ton deuxième verre. Êtes-vous prêts à commencer le jeu? Ouais. Veuillez toucher l'écran tactile afin de lire les conditions générales de ce jeu. Bip. On accepte toutes les conditions générales, ok. Attends, mais... J'accepte. Mais... On les lit jamais, ces trucs. Ce ne sont que des clauses juridiques, des avertissements et des conneries dont on se fiche totalement. Vous n'avez pas lu les conditions générales. Souhaitez-vous tout de même continuer? Allez. D'accord, pourquoi pas. Veuillez prendre en considération que pour remporter les prix que vous aurez gagnés, vous devrez participer au jeu jusqu'à la fin. Si un candidat brise la continuité du jeu... Il en subira les conséquences. Quel genre de conséquences? Ça va, d'accord. Voilà. Puisque vous aimez tous les quiz en ligne, chacun d'entre vous devra répondre à quelques questions simples conçues en fonction de votre profil All Together. Dave? Oui, monsieur. Vous serez le premier. Alors, bonne chance. Oh, à vous les questions. Question numéro 1. Combien de buts avez-vous marqué cette saison dans votre équipe de football amateur? Pas des masses, j'imagine. Alors, on hésite. 7. 7? Non. 9.
Menteur. C'est mon dernier mot. Question numéro 2. Avez-vous ou avez-vous eu un piercing ou un tatouage? Je peux pas savoir. Oui, un tatouage. Je me suis fait tatouer sur l'omoplate. C'est écrit luxure en japonais. Oh, très élégant. La troisième et dernière question. Qui est cette personne? Veuillez regarder la photo qui s'affiche. Plutôt mignonne. Pouvez-vous identifier la jeune femme sur cette photo? Je me demande comment tu as pu oublier cette fille. Regardez-moi ça. Dave. La photo a été prise il y a quelques semaines seulement. Alors, qui est-elle? J'en sais rien du tout. Je passe, j'en sais rien. Trois réponses sur trois sont inexactes. Et l'autre? Réponse à la question numéro 1. Vous n'avez marqué aucun but pendant cette saison. En réalité, vous avez été exclu du terrain pour avoir agressé un joueur adverse. Bon, c'est vrai. Menteur. Il l'avait bien cherché, d'accord? C'est pas très fair-play quand même. Question numéro 2. En plus de votre tatouage dans le dos, cela fait maintenant 3 ans que vous avez également un piercing au scrotum. Non, coquin! Je suis sûr que t'aimes ça, Gwen. Moi, je trouve ça trop abject. Les filles adorent. Ouais, j'en suis pas aussi sûre que toi, Dave. Question numéro 3. La jeune femme sur la photo s'appelle Aimé, une Française étudiant actuellement en Grande-Bretagne. Vous l'avez invitée à boire un verre la semaine dernière, vous avez couché avec elle, puis vous l'avez bloquée sur All Together le lendemain matin. Pas joli, joli. Oh, le fumier. Vous avez tiré un coup cette nuit-là, mais aujourd'hui, vous n'avez pas marqué de points. Moralité, vous êtes un tricheur dans la vie et sur le terrain. Ouais. Quelle bouse, ce jeu. Oh, Dave. Joe, vous serez la suivante. Bonne chance. Question numéro 1. D'après vos résultats dans le jeu en ligne Baragogo, combien de verres d'alcool virtuel buvez-vous par semaine? Pratiquement tous. J'en sais rien, moi. Une vingtaine? J'en sais rien. Je ne fais pas vraiment attention à ce genre de choses. Ouais, ça m'étonne question pas. Question numéro 2. Veuillez jeter un coup d'œil à ce profil dans l'application Rencontre Cooking d'All Together. Pouvez-vous nommer la personne décrite dans ce profil? Ouh, qu'est-ce que t'es sexy! Non, mais cette photo est très ancienne. Charmante maman. T'es très jolie là-dessus. Dernière question. Il y a 4 ans, votre statut de profil est resté en mode déconnecté pendant une période de plus de 3 mois. Quelle était la raison de cette absence? Ah, tu voulais passer incognito, hein, Joe? J'étais en réhab. Oui, j'avais un petit problème d'alcool. Donc j'ai décidé de me faire soigner parce que j'ai pensé à ma fille. C'est ma priorité, c'est tout. Et je ne regrette pas une seconde. Merci beaucoup, Joe. Vos réponses aux questions numéro 2 et 3 sont correctes. En ce qui concerne la question numéro 1, vous buvez 30 verres d'alcool virtuel par semaine. Et bien plus encore dans la vie réelle. Moralité, vous trouvez plus facile de neutraliser vos sentiments plutôt que d'affronter les véritables problèmes de la vie. Bravo. Max, c'est votre tour à présent. Vous aimez jouer du violon. Quel niveau avez-vous atteint? Toi, t'es violoniste? Niveau supérieur. Question numéro 2. Quel profil All Together consultez-vous le plus fréquemment?
Aucune idée. Celui de ma mère? J'en sais rien. Ta mère a un compte sur alltogether.com. C'est pathétique. Question numéro 3. Quel est le premier produit que vous avez acheté via la plateforme commerciale d'alltogether? Et pourquoi? Comment voulez-vous que je le sache? Vraiment, j'achète plein de trucs en ligne comme tout le monde. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. Acide trichloracétique pour les verrues. J'ai jamais acheté ça. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez gagné aucun point, Max. Qu'est-ce que c'est? Franchement, j'ai jamais acheté ça. Ouais. Les réponses exactes sont, premièrement, vous êtes toujours en premier cycle, débutant 1, ayant raté 7 fois l'examen. Deuxièmement, le profil que vous consultez le plus souvent appartient à Jenny Phillips. Vous avez d'ailleurs vu ses albums photos 234 fois. Mais t'es complètement malade! Troisièmement, vous avez commandé un pot de solution contre les verrues génitales peu de temps après votre voyage en Pologne, quand vous aviez 17 ans. Moralité, quand on a l'esprit mal tourné, on attrape des MST. Tu rigoles, hein? Pas joli. J'ai pas acheté ça. Gwen, votre quiz va commencer. J'ai pas très envie de jouer. Je trouve que ça devient trop personnel. N'oubliez pas qu'il est stipulé dans le règlement que pour remporter n'importe quel prix, les participants doivent jouer jusqu'à la fin. Oh, allez, Gwen, t'étais bien contente d'entendre notre déballage. Ouais. Ouais, c'est bon, j'accepte. Dave? Question numéro 1. Étant fasciné depuis toujours par le monde des célébrités, à quelle femme célèbre vos amis vous comparent-ils le plus souvent sur alltogether.com? Bonne question. Joker. Question numéro 2. Reconnaissez-vous le jeune homme sur cette photographie? Non, je vois pas qui c'est. Ouais, c'est ça. Non, sérieusement, je vois pas qui ça peut être. Question numéro 3. Qui est Ange Gardien? Bah oui, Gwen. Qui est Ange Gardien? En fait, c'est moi, un de mes pseudos sur un forum. Votre score? Vous avez une réponse exacte sur 3. Bouh. La personne célèbre avec qui on vous compare le plus souvent est Cathy Brooks, la célèbre pin-up, à cause des troubles alimentaires que vous avez développés quand vous aviez 15 ans. Question numéro 2. Le garçon sur la photographie s'appelle Neil Harris. Quand vous étiez au lycée, vous avez souscrit à une page alltogether qui avait pour but de le persécuter. Et moi qui croyais que t'étais une gentille fille. Oui, c'était il y a très longtemps. La réponse à la dernière question est correcte. Ange Gardien est votre nom d'utilisateur sur le forum d'entraide et d'écoute de alltogether. Et tu aides des gens? Moralité, vous êtes une hypocrite. Vous devriez mettre vos conseils en pratique avant de prodiguer la bonne parole aux autres. Non, mais il a toujours le dernier mot, si. Ainsi s'achève le premier round. N'oubliez pas que vous pouvez remporter de magnifiques cadeaux. Merci beaucoup de votre participation. À la nôtre. À la nôtre. Oui, Jenny. Oh, c'est qu'un jeu. Faites pas ces têtes d'enterrement. Il cherche à nous déstabiliser. Je n'ai pas très envie de continuer. Je trouve qu'il pousse le bouchon un peu loin. Je trouve aussi. J'espère que les prix sont à la hauteur. Non, mais réfléchissez. Tout se paie. Moi, j'aimerais savoir où ils ont eu la photo. J'ai jamais posté ça sur mon profil, j'en suis sûr. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Allez, un verre nous fera du bien. J'ai l'impression qu'ils ont enquêté sur nous. Alors, Dave, raconte-nous un peu ce que ça fait de... Tu vois quoi? De se faire percer en bas. Aïe. Saloperie. Désolée. J'ai eu mal pour toi. Ouais, c'est... C'est génial. Le problème, c'est que...
Il y en a un qui s'est infecté et ça fait un mal de chien. Dégueu. Donc, on a du monde enlevé, hein. Testicule ? Non, un piercing. Le prince Albert. Oh, ouais. Et Gwen, tu veux jeter un coup d'œil ? Non, pas vraiment, ça va quand même. Allez, lâche-toi, quoi. Alors, arrête de m'en parler. On veut des détails croustillants. Dave ! L'Atlantique devait être dégagé. Et alors ? J'avais vérifié la météo, c'est tout. Et donc ? Le ciel est censé être dégagé. Tu sais, en général, leurs prévisions ne sont jamais justes aux météorologues. Veuillez reprendre vos places. Il est temps de passer au deuxième round. Encore ? Révélation indiscrète. Excitant, hein ? Je me disais bien que la tranquillité ne pouvait pas durer. Des millions d'utilisateurs de All Together sont en ligne 24 heures sur 24. Ils partagent leurs intérêts dans la vie, leurs passions, leurs projets, leurs ambitions et leurs rêves. Pour certains, c'est un lieu où ils peuvent dissimuler leur vraie personne, et pour d'autres, c'est le seul endroit où ils peuvent vraiment se dévoiler. Au cours de ce deuxième round, nous allons découvrir qui vous êtes réellement lorsque vous êtes à l'abri des regards indiscrets. À croire. Vous avez regardé cette vidéo il y a 2 mois. Pour être exact, vous l'avez regardée le mardi 15 à 22h17. Et vous l'avez à nouveau regardée le lendemain matin à 11h53. Vous avez ensuite envoyé le lien à 5 de vos amis. Écoutez, j'en sais rien. Des conneries, j'en regarde beaucoup, alors. Quel disait le message que vous avez envoyé à vos amis avec la vidéo ? Laissez-moi répéter la question. Je vous dis que j'en sais rien, ok ? Eh bien, dans ce cas, jetons un coup d'œil. Oh mon Dieu, c'est ignoble. Regardez jusqu'à la fin. Je n'ai jamais écrit ça. Qui l'a écrit, alors ? Pourquoi avez-vous envoyé cette vidéo ? Pourquoi l'avez-vous regardée ? Était-ce agréable de voir un homme se faire tuer devant vos yeux ? Non, bien sûr que non, ce n'est pas agréable. Pourtant, vous l'avez regardé 2 fois. Encore. Et encore. Non, c'était seulement de la curiosité. Je pensais que c'était truqué. Arrêtez de me regarder comme si vous ne voyiez jamais ce genre de truc. Tout le monde le fait. Et qu'est-ce que c'est que ce jeu ignoble ? Ça devient franchement insupportable. On veut plus jouer avec vous. Si vous vous retirez du jeu, vous devrez renoncer aux cadeaux, déclarer forfait ou gagner des cadeaux. C'est à vous de choisir. Écoutez, si vous voulez continuer, allez-y, moi j'abandonne.
Parlez-nous de ceci. Quel genre de femme êtes-vous au lit? Récemment, vous avez répondu à ce test qui s'ajoute à la longue liste de tests que vous faites chaque semaine. Oui, et alors? Ce test était intitulé « Quel genre de femme êtes-vous au lit ?» Donc, Gwen, quel genre de femme êtes-vous au lit? Ouais, je veux savoir. Je répète la question. Non, ça va aller. Je crois que le résultat disait que j'étais une tigresse. Je le savais. C'est toujours les plus discrètes, hein? Oups. C'était qu'un test, Dave, un test ridicule que j'ai fait pour passer le temps. Le résultat du test était faux. Pas vrai, Gwen? Eh bien, on peut pas dire que je sois une tigresse, c'est bien ça? Les réponses choisies ont donné ce résultat. Mais vous avez menti à plusieurs reprises, avouez-le. Je ne prenais pas ça au sérieux. À vrai dire, j'ai fait ça sans réfléchir. Par exemple, à la question 4. Vous souvenez-vous de la question numéro 4? Non, évidemment que non. Voici la question numéro 4. Combien de partenaires sexuels avez-vous eu dans votre vie? Pardon, mais ce ne sont pas vraiment vos noms. Vous avez raison. Et pourtant, vous avez répondu à ce test en ligne avec ces informations et vous l'avez posté sur votre mur public. Vous préférez que les gens pensent que vous êtes une tigresse? En fait, vous avez honte de dire la vérité. Combien de partenaires sexuels avez-vous eu dans votre vie? Je vous l'ai déjà dit. Ce ne sont pas vos affaires, d'accord? Le trottoir répond beaucoup. Très bien, Gwen. Laissez-moi vous donner un coup de pouce. Vous participez à de nombreux forums. Et sur ce forum-là, vous postez des commentaires 5 à 15 fois par semaine. Virtue réalité. Votre avatar est une rose blanche et votre nom d'utilisateur est Bombe à retardement. Alors, Bombe à retardement, combien de partenaires sexuels avez-vous? Aucun. Comment peut-il connaître tous ces détails? Nous nous cachons tous derrière des pseudos, derrière des avatars. Mais partout où vous allez, tout ce que vous regardez, téléchargez, mettez en ligne, tout ce que vous faites ou dites sur Internet est répertorié et conservé. Vous laissez une liste d'informations accessibles librement à ceux qui les cherchent. D'ailleurs, je suis en train de consulter un relevé de tous les sites que vous avez visités durant les derniers mois. Cela révèle des choses assez étonnantes. N'importe quoi. Ce sont des données protégées par la loi informatique et liberté. Vérifions le niveau de protection de ces données. Dave, il y a 2 jours, vous vous êtes connecté à un site hébergé au Japon. Le contenu des vidéos en streaming disponibles sur ce site est abject et immoral. Certains de vos titres favoris sont « Deux filles et un cheval »,« Trop jeune pour courir », »,« Boukake au bal de promo 4 ». Dois-je poursuivre? Veuillez répondre à la question de façon intelligible. Dois-je poursuivre? Non. Avez-vous seulement pris en compte l'âge des filles dans ces vidéos, Dave? Y avez-vous réfléchi une seconde, à moins que vous les ayez justement regardées pour ça? Pourriez-vous nous donner le titre de la vidéo que vous avez regardée 4 fois d'affilée ce soir-là? Je ne me rappelle pas. Évidemment. Peut-être que cela reviendra vous hanter en temps voulu. Non mais c'est Internet, merde! La toile mondiale, mec! Et quand je suis dans ma propre maison, je regarde ce que je veux quand je veux, ok? Mais je suis pas un de ces sales pervers! Max, tu regardes des films porno, non? Stop! Ne mêle pas à tes histoires! Oh, super, maintenant vous me voyez comme...
t'en regardes, c'est sûr. Tu me connais même pas. Menteur, on a tous regardé des trucs qu'on n'aurait pas dû. On a tous regardé. Et si l'un d'entre nous dit le contraire, c'est qu'il est en train de mentir, ok? Oh, c'est pas vrai. Voilà. Saloperie de jeu de merde. Qu'est-ce que tu fais? Je vais parler à ce pilote. Qui êtes-vous? Je veux savoir qui est aux commandes. Ah, ouvrez cette porte. Ouvrez cette fichue porte, bordel. J'ai dit ouvrez cette fichue porte. Ah, merde, je veux savoir, je retournerai pas à mon siège. Ouvrez cette porte. Retournez à votre place, Dave. Dernier avertissement. Pourquoi vous n'ouvrez pas, bordel? Laissez-moi entrer. J'ai dit laissez-moi entrer. Si vous êtes là-dedans, ouvrez-moi, bon Dieu. Putain, c'est verrouillé. Pourquoi il refuse d'ouvrir? Puisque Dave a transgressé le règlement et a ignoré mes avertissements, je suis malheureusement contraint de lui donner une sanction. Oh, j'ai trop peur. Ouh, j'en ai rien à foutre de vos menaces. De toute façon, je joue plus à ce jeu débile. Nous allons donc sélectionner quelqu'un parmi la liste d'amis All Together de Dave. Merde. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Allons rendre une petite visite surprise à votre ami Rory. Qu'en pensez-vous, Dave? Ouais, vas-y, mon gars, fais-toi plaisir! Connard. Non, c'est des conneries. C'est pas vrai. Ça avait l'air plutôt réaliste pour moi. Mais non, c'est une mauvaise blague. Je suis sûr qu'il est dans le coup, ce contre Rory. Dave, comment tu peux savoir? Ça avait l'air réel. Oh, je t'en prie, ne sois pas naïve. C'est sûrement un programme de télé-réalité. Il doit y avoir des milliers de spectateurs en train de se bidonner devant leur télé. Coucou, maman, tu me vois? À présent que la punition a été administrée, revenons à notre jeu, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fabriques? Ferme. Max, stop. Arrête, ça va mettre rogne. On s'amuse bien, Max? Attends, saloperie, la boîte mail est bloquée. Max a transgressé le règlement en essayant de contacter quelqu'un à propos du jeu. Je ne vois pas en quoi utiliser All Together transgresse le règlement. C'était indiqué dans les conditions générales. Merde! Non. Afin de réparer cette entorse au règlement, je vais devoir lancer une autre punition. Non, 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 je vous en prie, pas de punition. Pitié, arrêtez ça. Désolé, mais Max va devoir perdre un de ses amis. Oh mon Dieu. Incroyable. On peut dire que j'ai le choix. La liste est longue. Je me demande même si vous vous en rendez compte, vu leur nombre. Allez, demande-lui pardon. Excuse-toi. Voyons voir. Max, ce sont tes amis, arrête-le. Alain est désolé. Max, ne reste pas là planté, dis quelque chose. Quelques je t'en supplie, demande-lui pardon, non, quelque non. chose, s'il te plaît. Écoutez, je ne pouvais pas rester comme ça. Il fallait bien que j'essaie de contacter quelqu'un. Ah, et pourquoi t'as pas tout simplement porté plainte? Dave, tu vas pas te taire, oui? On est dans le pétrin. Le pétrin? Ce n'est qu'une pauvre tête de crocodile animé. Max, vous avez enfreint les règles. Il est temps d'aller saluer votre ami, Alan. Regardez ça.
n'avais pas le droit de faire ça. Je tiens à vous assurer que la scène à laquelle vous venez d'assister est bien réelle. Si vous transgressez à nouveau le règlement, nous devrons tuer une autre personne. Maintenant, reprenons. Vous êtes timbré! Vous venez de massacrer un pauvre type de sang-froid sans aucun motif! Non, je regrette. C'est vous qui avez impliqué vos amis en transgressant les règles. Et je n'hésiterai pas à tuer d'autres innocents si vous ne suivez pas les règles à la lettre. Merci de votre aimable coopération. Tu crois que c'était aussi une mauvaise blague cette fois-ci? J'en sais rien du tout. C'est impossible. Il y a des lumières là-bas. On est presque au-dessus du continent, on devrait être en plein milieu de l'Atlantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre destination ne peut pas être New York. Max, qu'est-ce que tu fais? Max, ne sois pas stupide, ne touche à rien. Laisse-la tranquille. Arrête, Max, il voit tout. Pourquoi ce qu'il prend ne marche pas? Arrête de toucher à ce truc, Max. Laisse-la tranquille. Il va encore nous punir si tu casses le machin. Je t'en prie, quelque chose. Tu vas nous attirer des problèmes. Arrête, Max. Arrête, je te dis. Oh non. Un écran de contrôle. Ça devrait indiquer le plan de vol, l'heure d'arrivée et tout le reste. Je t'en prie, laisse tomber. J'ai besoin d'un câble. Il doit être branché ici. Non. On devrait pas faire ça. C'est bon, j'ai trouvé. Voilà, ça marche. C'est quoi cet embrouille? J'en étais sûr. On ne va pas à New York. Quoi? Regarde. On va où alors? En Norvège? On atterrit à Oslo. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le siège social d'Altogether. Mais pourquoi ferait-il une chose pareille? C'est pas Altogether. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu racontes? On a gagné un voyage grâce à eux. Monsieur reçoit un email, alors ça peut pas être une arnaque. Mais j'ai pas rêvé, c'était leur concours. Purée, réfléchis, tu crois vraiment qu'ils vont s'amuser à tuer les membres de leur site? Il faut que je voie le pilote. Wow. Mais puisqu'ils tuent des gens quand on ne respecte pas le règlement, peut-être qu'on devrait tout simplement jouer le jeu. Et comme ça, peut-être que personne d'autre ne serait assassiné. Voyons, il peut pas tuer tout le monde. J'ai pratiquement un millier d'amis sur mon profil. Tu vas pas la fermer, Dave ! Mesdames et messieurs, veuillez retourner à vos places. Il est temps de passer au troisième round. Pourquoi ? On veut savoir. Pourquoi on ne va pas à New York ? Pourquoi Oslo ? Allons, Max. Vous êtes un garçon vraiment polisson. Mais ne vous en faites pas. Je vous répondrai en temps voulu. Non, je vous en prie, s'il vous plaît. Nous ne voulons plus jouer. Parfait. Vous ne me laissez pas le choix. Je vais devoir vous donner une autre punition. Non. Voyons voir. Non, je vous en prie, non. Pardonnez-moi, je suis désolée. Dans ce cas, retournez à vos places. Chacun d'entre vous aura une tâche à accomplir. Si vous ne parvenez pas à exécuter votre mission, il y aura d'autres morts. Je serai ravi de tuer quelques-uns de vos amis, si nécessaire, ou votre famille. Et si on refuse de vous obéir, qu'est-ce que ça donne? Max, ne déconne pas avec lui. Ah, voilà, merci. Joe fait enfin une remarque pertinente. Mieux vaut tard que jamais. Joe? Veuillez vous rendre dans le confessionnal. C'était une plaisanterie. Joe, veuillez vous rendre aux toilettes, seul. Prenez les
les écouteurs et placez-les sur vos oreilles. Est-ce que vous m'entendez, Joe? Oui. Je vais donc vous donner une tâche à accomplir. Si vous éveillez les soupçons des autres passagers, ou si vous échouez dans votre mission, votre fille, Sophie, sera exécutée. Espèce d'ordure! Oh non, est-ce que c'est en direct? Mais répondez! C'est en direct! Affirmatif. Souhaitez-vous que je la réveille? Non! Ne la touchez pas, ne la touchez pas! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, dis-nous ce qui s'est passé. Dave, veuillez vous rendre immédiatement aux toilettes. J'ai une mission très spéciale à vous confier. Et pourquoi je devrais vous écouter? Parce que vous n'avez pas le choix. Préférez-vous que je vous force la main? Sarah, restez assis. Elle ne peut pas vous entendre, Roméo. Vous n'êtes qu'un sale fumier. C'est un coup monté. Vous êtes en train de nous piéger. Je sais que ce n'est pas une chose aisée pour vous, Dave, mais pour une fois, j'aimerais que vous réfléchissiez bien aux conséquences de vos actes, parce qu'ils détermineront le sort de Sarah, à savoir si elle vit ou meurt. Asseyez-vous. Il est grand temps de suivre les conseils de quelqu'un d'autre, Gwen. Je vous suggère donc de m'écouter attentivement. On raconte qu'être brûlé vivant est une mort atroce. Par pitié! Je vous en supplie, non, par pitié! Je la laisserai vivre à une seule condition. Il faudra que vous accomplissiez une tâche toute simple. Quoi qu'il
se passe là-dedans. On doit s'entraider. On ne peut pas laisser ce type gagner, compris ? Max, c'est à vous. Vas-y. Dépêche-toi d'y aller. Je vous ai préparé une mission bien particulière. Si vous n'accomplissez pas cette tâche, cela entraînera la mort de votre frère Mike. Non, je vous en supplie! Pitié! Chacun pris connaissance de votre mission, je vous donne 45 minutes pour la mener à terme. Comme vous l'avez déjà deviné, cet avion vole en direction de Oslo. C'est donc là que votre voyage se terminera lorsque nous percuterons le siège social de alltogether.com. Nous mourrons tous, ainsi que tous ceux qui se trouveront dans le bâtiment. C'est une mauvaise blague, ça peut être tout ça. Écoutez-moi, espèce de malade. La plaisanterie a assez duré. Arrêtez. Bien au contraire, Dave. Cette plaisanterie ne fait que commencer. Alors, on s'amuse comme des petits fous, n'est-ce pas? Max, s'il te plaît, reprends-toi. Laisse-moi. Pitié. Et ma petite fille. Qu'est-ce qui va lui arriver? Plus rien ne peut vous sauver. Mais vous avez la possibilité de sauver les êtres qui vous sont chers. Si vous révélez votre mission, ils mourront. Si vous échouez dans votre mission, ils mourront. Mais si vous menez votre mission à bien, ils vivront. Vous avez tous reçu des instructions. Il suffit de faire ce qu'ils demandent. On fait ce qu'il demande, voilà tout. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Dites-moi ce qu'il vous a raconté. Je t'en prie, tu peux pas demander sa pitié, je dois penser à ma fille. Il ne m'a rien dit du tout. Non, on doit pas parler de tout ça. Il a dit pas de discussion. Il nous a juste défendu de parler de notre mission, alors vas-y, raconte. Il a rien. Pense à ma petite fille, puis il ne m'a rien dit du tout. C'est n'importe quoi, je te crois pas une seconde. Arrêtez de discuter, on devrait plutôt réfléchir à un moyen de sortir d'ici. Tu vas la fermer. C'est lui qui m'a dit où la trouver. Je n'arriverai pas à faire ce qu'il m'a demandé. Il faut que je détruise tout ça. Non. Les webcams, les micros. Recule-toi, Dave, d'accord? Maintenant, plus t'asseoir, compris? Non, s'il ne peut plus nous voir ou nous entendre, le jeu sera terminé. Est-ce que ça t'arrive une fois de penser à autre chose qu'à ta petite personne? T'as intérêt à t'asseoir tout de suite ou je te démonte la gueule, espèce d'égoïste! La mission, j'y arriverai pas. Vous savez ce qu'il m'a demandé de faire? Je dois tuer la personne qu'il veut au moment où il le veut. Vous ne vous rendez pas compte? Vous ne voyez pas qu'il veut nous punir? Oh, vous pensez vraiment qu'il ne tuera personne parce que vous avez respecté les règles? C'est quel idiot, Dave? Il contrôle tout ici. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Contre lui, on peut rien faire. C'est pour ça qu'on est obligé de faire tout ce qu'il dit. Non, pas moi. Bien sûr que si, Max. Posez cette hache immédiatement. Et retournez à votre place. Sinon, quelqu'un d'autre devra assumer les conséquences de votre imbécilité. Votre frère Mike. Max. Qu'est-ce que tu fais poser ma chaise? Tu vas poser cette foutue hache, oui ou non? Pose-la. Pose cette hache. S'il te plaît. Pose-la. Oh mon Dieu. Oh merde.
Si je lui coupe l'autre bras, il se videra de son sang en quelques minutes. Êtes-vous prêt à lui dire adieu? Non, attendez! Je ne suis pas celui que vous croyez. Je ne connais même pas ce type, ce n'est pas mon frère, arrêtez! Écoutez-moi, je vous le jure! Je n'ai même pas de frère en vrai! Putain! Je refuse de faire ce que vous me demandez! Vous m'entendez? Tu vas nous attirer des ennuis, espèce de... Max! Je ne suis pas Max! Paul! Menteur! À votre avis, pourquoi je n'ai pas su répondre au début? Est-ce que j'ai l'air d'un violoniste? Je suis pas Max! Je ne devrais même pas être dans cet avion! Non, on a tous vu ton nom sur la liste! Et on a tous consulté ton profil! Max est étudiant. J'ai piraté son compte altogether. J'ai tout changé, ses informations, ses codes, tout. J'ai cru qu'on me refoulerait à l'aéroport, mais ils n'ont rien vérifié. Non mais franchement, tu espères qu'on va te croire après ce qui vient de se produire? Crois ce que tu veux, Dave, mais c'est la vérité, je le jure. Et alors, qui es-tu? Ça va pas, je vais pas te dire ça. Espèce de petite merde! Bordel! Calme-toi! S'il vous plaît, tout le monde se calme, ok? Bon sang, mais qui es-tu? Je suis pas fou. Si je le dis, il s'en prendra à mes amis et à ma famille. Et qu'est-ce que tu fais de nos familles? Il a pris ma sœur. Je suppose que tu t'en fiches complètement. Dépêchez-moi! Non, putain! C'est ridicule, je vais mourir comme vous. Espèce d'idiot. Ouais. Tu crois que je suis impliqué? Max, si tu veux nous persuader, alors il faut que tu nous prouves que ce que tu dis est vrai d'une manière ou d'une autre. Si tu ne veux pas le dire, alors montre-le. Dépêche-toi de vider tes poches, d'accord? Il reste... les poches de derrière. J'avais dit pas de discussion, Dave, mais vous n'avez pas pu vous empêcher de causer. J'ai fait ce que vous avez demandé. J'ai son passeport, mais il y a son adresse et son identité. C'est pas Max, c'est quelqu'un d'autre. Ah, notre invité surprise. Eh bien, à présent, il fait partie du jeu. Écoutez bien, espèce de malade. Ne vous avisez pas de la toucher. Ne vous avisez pas de la toucher.
cauchemar vivant. Vous avez été très habile dans cette épreuve, bravo. Mais cela ne m'étonne pas particulièrement, puisque la trahison est votre point fort. D'accord, alors... Alors vous allez la laisser tranquille, elle va s'en aller. Ok. Je regrette, Dave. Ce n'est pas encore possible. J'ai une autre mission à vous confier. J'aimerais... que vous tuiez l'un de vos compagnons de voyage. Il lui reste peu de temps à vivre. Je vais vous donner 3 minutes. Essayez avec la hache. La porte fait au moins 15 cm d'épaisseur, ça ne fera rien. Dave, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Dave? Wow. Non, Dave, arrête. Non. Je ferai tout ce qu'il faut. Non, écoute, cette Dave. Hache. Pousse écoute, la, Dave. Pousse-toi de là, toi. T'as dit, tu n'es pas obligé de faire ça, raison. D'accord? Non, pousse ta d'accord. Hache. Je t'en prie, Dave, je t'en prie. Fais pas ta pousse psychologie ta à deux balles avec moi, Gwen, maintenant. Pousse-toi là. Pousse-toi. Faites-le correctement, sinon ce n'est pas la peine. Non. Viens par là. Parce qu'il est mort.
Oui, j'ai vu ça, Gwen. Pitié. Mais n'ayez crainte, j'ai une autre tâche pour vous. Vous devez maintenant séduire Max. M'aider à le déplacer. On peut pas le laisser là, en plein milieu. Je peux même pas le regarder, c'est impossible. C'était lui ou moi. Je vais te nettoyer cette plaie, Max. Oh, ce type est un monstre. Il a tué cette fille quand même. Vas-y, enlève ça. Vas-y doucement. Ok, ne bouge pas. Oh là là. Attends. Oh. Oh, ça fait un mal de chien. Mourir dans cet avion. J'en sais rien. T'es bien. Oh. Ouais. Qu'est-ce qu'il te prend? S'il te plaît, aide-moi. Si tu refuses de le faire, il va tuer ma petite sœur. Je veux pas le laisser faire ça. Si je le récupère, je pourrais pirater le réseau informatique. Quoi faire? Pour appeler au secours, pour découvrir qui est derrière tout ça et accéder enfin à ce foutu cockpit.
peur. Votre mission est inachevée. Non, j'ai essayé. J'ai essayé. Vous devez empêcher Max d'accéder à tout à bagage. Arrêtez-le. Vous avez 3 minutes, sinon Emily mourra. C'est du hack système. Mais vous êtes malade, quoi? Vous savez bien qu'il peut voir et entendre tout ce qu'on fait. Tu n'es pas obligé de t'impliquer, mais je dois au moins essayer. Maintenant, laisse-moi passer. Non. Ça suffit. Non. Pousse-toi. Non. 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 Il reste 2 minutes. Non. Ah. Ah. Non. Lâche-le. Ah. Ah. Gwen a également échoué dans sa mission. Max, si seulement vous aviez bien voulu mourir comme un gentil garçon, je n'aurais pas à tuer sa petite sœur. Oh, Joe, voyons, vous ratez le spectacle. Je croyais que vous aimiez ça, mais vous préféreriez peut-être que la fille soit plus jeune. Mais bon sang, c'est quoi votre problème? Je ne fais que renvoyer votre image. Vous devriez vraiment vous regarder en face. Après tout, maintenant, nous avons tous du sang sur les mains. Allez, ok, bon, j'ai d'accès.
accès au réseau informatique. J'en sais rien. Sale bâtard. Qu'est-ce que vous savez de ce type? Il a pris ma famille. Chez moi, entière. Il n'y avait plus personne. La maison, elle était saccagée. Complètement retournée. C'est là que j'ai eu le message. Quel message? C'est torture à laisser une vidéo. Qu'il les tuerait si j'obéissais pas. Je ferai tout pour les aider. Pour ça, je dois faire tout ce qu'ils me demandent. Je n'ai pas vraiment le choix, donc je ferai tout ce que j'ai à faire. Il a tué ma mère! Il a tué tout le monde, ils sont tous morts! Il faut que vous nous fassiez atterrir, s'il vous plaît! Vous allez tuer beaucoup d'autres personnes innocentes si vous foncez dans ce bâtiment. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Mais pas ma famille! S'il vous plaît, il a ma petite fille. On ne sait pas ce qu'il est capable de lui faire. Qu'est-ce qui lui arrive? Je suis désolée. Minutes avant la collision, monsieur Callahan. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas, il a déjà massacré tout le monde. Ne l'écoutez pas. L'empoisonneuse qui est devant vous. Ne l'écoutez pas. Vous allez reprendre vos esprits et sauver votre femme et votre premier-né. Je vous en prie, ils sont déjà morts, ne l'écoutez pas. Lequel partira en premier? Je vous en prie, croyez-moi. Toutes les vidéos ont été préenregistrées, il a déjà assassiné tout le monde. Je vous en prie, croyez-moi, c'est la vérité. Allez le voir par vous-même. Retournez tout de suite dans le cockpit, Callahan, où votre femme perdra sa jolie tête. Non! Maintenant, retournez dans ce cockpit où je lui laisse sa putain de tête. Ne l'écoutez pas. Stop!
J'aimerais que vous regardiez une nouvelle fois cette vidéo avant votre mort. Je pensais qu'au moins l'un d'entre vous s'en souviendrait, éprouverait un peu de culpabilité. Mais j'imagine que c'est beaucoup trop demandé aux gens de votre espèce. Je crois que je me souviens d'elle. Elle s'est suicidée. Lucy Turner, 15 ans. Vous étiez là, tous les quatre, connectés, et vous y avez assisté en direct. Tous heureux de commenter. Gwen, avec ses sermons, n'a fait qu'empirer les choses. Un but de sa personne, une hypocrite qui se cachait derrière la religion. Dave s'est contenté de se moquer de sa souffrance. Elle l'a encouragé à poursuivre. Et lorsqu'il a décidé de poster un commentaire, son ami Rory s'est cru obligé d'en rajouter. Il avait toujours la langue bien pendue. Il est bien plus silencieux à présent. Et puis, il y avait Max, qui a partagé le lien de la vidéo sur 30 sites. Tap, tap, tap. Quel doigt agile. Oui, seulement vous n'avez pas réussi à tuer Max. Hein? Vous avez tué de mauvaises personnes sur ce coup-là. Vous avez complètement foiré, espèce de taré. Non, Joe. C'est vous qui avez tué la mauvaise personne. Mais ne vous inquiétez pas, je rattraperai le vrai Max bien assez tôt, et il souffrira, croyez-moi. Mais revenons à nos moutons. Alan a trouvé ça très amusant. Ils ont tous agi d'une manière ou d'une autre, mais vous, Joe, vous souvenez-vous de ce que vous avez fait? Vous avez seulement regardé. Vous aimez mater. J'étais C'est bourrée. Votre excuse pour tout. Votre excuse pour être tombée enceinte. Et pour avoir une vie triste et pathétique. Vous êtes une mère et pourtant, vous êtes quand même assise pour regarder ma fille mourir. Qu'est-ce que vous avez fait, ma fille? Vous n'étiez pas d'avoir une fille. Qu'est-ce que vous lui avez Aucun fait? Aucun de vous n'a appelé C'est complètement faux. Aucun de vous n'a tiré le signal d'alarme. Vous avez abattu ma pauvre mère. Vous êtes tous coupables et votre punition est Vous avez supprimé la famille du pilote et vous vous apprêtez à tuer beaucoup d'autres innocents. Holtergazer, pourquoi ils sont coupables aussi? Malheureusement, ce sont des dommages collatéraux. En ce qui concerne Holtergazer, ils sont coupables autant que vous. Ils ont tout fait pour étouffer l'histoire de ma Lucie. Nous allons détruire leurs serveurs et leurs employés. Ils seront anéantis. Et le monde assistera à leur fin. Ils regretteront de ne pas avoir fait attention à eux. Ils n'en auront strictement rien à faire. Ils n'en auront rien à faire de votre super plan de vengeance, tout simplement parce que personne ne sera au courant. Vous vous trompez, Joe. Je suis en train de réaliser la vidéo suprême qui se répandra comme un virus. Et vous en serez la star. Bien entendu, toutes les parties qui me mettent en cause seront supprimées. Et ensuite, le monde entier pourra vous mater en train de mourir encore et toujours. Œil pour œil, ma chère. Qu'est-ce que vous avez fait, ma fille? S'il vous plaît. Est-ce qu'elle va bien? Je crains que non. Je lui ai arraché ses beaux petits yeux. Pas pour être Je ne crois rien à ce que vous dites, vous mentez. Elle vous a réclamé. J'ai bien cru je qu'elle ne vous crois pas, vous mentez depuis le début. J'ai également une famille. Comme vous, nous n'avons jamais été aussi occupés. De vraies petites abeilles. Vous ne voyez pas, vous êtes monstrueux. C'est de cette manière que vous honorez votre fille. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi votre fille s'est suicidée? Avec un père tel que vous qui ne se serait pas suicidé. Plus que 6 minutes avant la collision, ma petite. Bye bye, Joe.
pouvoirs publics ont confirmé le crash d'un jet privé dans les eaux du détroit de Skagerrak au large de la Norvège. Il semble que l'appareil volait à très basse altitude lorsqu'il s'était pressurisé dans une vidéo qui montre apparemment ce qui s'est passé à bord du vol 665 commence à se répandre sur Internet. D'autres corps ont été retrouvés dans les phares, ce qui confirmerait l'authenticité de la vidéo du vol départ Air visionné plus de 2 millions de fois. All Together est de plus en plus sous les projecteurs, fortement critiqué. Ils auraient pu empêcher. Non, les recherches ont été interrompues. L'identité du tueur surnommé Alligator reste encore à ce jour un mystère. Bonjour, Lucie. Comment vas-tu aujourd'hui? Moi, je m'appelle Sophie. Non. Tu t'appelles Lucie. Lucie. Mais je devrais peut-être d'abord me présenter. Je m'appelle Rupert Turner. Maintenant, suis-moi. Il y a des personnes qui aimeraient te voir. Bonjour à ta sœur. Très bien. Allons te débarouiller un peu. Since the first day I knew that you were my soulmate, my chosen one. In your arms I found my home, your love my sweetest reason. I promise you love and fidelity, my heart and my body belong to you forever. Every beat, every breath is for you. You are my king and I am yours. In your eyes I see eternity. With you I want to cross the years. Voice, a melody that enchants me. Your smile, a reassuring light. I promise you love and fidelity. You are my
promise you.